La sécurité, c'est mon histoire. Numéro 1. Je contribue au succès des démarches de sécurité. Je m'appelle Maude Mathieu, conductrice de travaux. Julien Egan, je suis chef d'équipe. Oui, je m'appelle André Simé d'Antonio, maçon finisseur. Jean-Sébastien, animateur QSE. Ferrao Francisco, boiseur, confrère. En quoi est-il important de contribuer à la prévention ? Il est important que tout le monde contribue à la prévention, puisque la prévention, ça sert à éviter de se retrouver face aux risques. Les risques sur le chantier, à mon sens, ça va être plutôt les petits détails. C'est surtout quand on marche. On ne fait pas attention, on a toujours tendance à regarder en l'air, mais jamais au sol. Il faut être toujours vigilant, quoi qu'on fasse, le risque, ça, c'est partout. Quoi. Et le but de la prévention, c'est de faire en sorte que le soir, tu repartes du chantier dans le même état que tu es arrivé le matin. La prévention, c'est pas uniquement l'animateur QSE qui va la porter, c'est un travail de groupe. Pour moi, contribuer à la prévention, c'est avoir un œil attentif en dehors de mes postes de travail. S'il y a un truc qui va pas, il faut signaler tout de suite, il faut pas attendre. Si on le fait pas tout de suite, il faut envoyer quelqu'un le faire à son poste. Il faut qu'on fasse très attention à nous et aux autres. Il faut toujours penser à nos collègues et pas qu'à nous. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Il y a vraiment des risques et des enjeux énormes derrière. Donc on ne peut pas se permettre de laisser une personne responsable de ça. C'est la responsabilité de tout le monde. Contribuer au succès des démarches de sécurité. La sécurité, c'est notre histoire.